Bonjour les écureuils, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, alors désolé pour cette lumière un peu pourrie et ce décor un peu voilà, mais il faut savoir que l'écureuil noir est un peu en chambardement en ce moment, puisque l'écureuil noir va déménager dans quelques temps et on se prépare au déménagement et donc c'est un peu la folie. Là vous voyez que ce qu'il y a à hauteur d'homme, mais je peux vous dire que par terre c'est le bazar le plus total. Alors petit point sur novembre et décembre 2018, parce qu'effectivement vous demandiez des nouvelles, des nouvelles en voilà. Pardon, des nouvelles en voilà. Donc en fait, des nouvelles sur Retromag, sur les chroniques rétro, sur la toute nouvelle collection qu'on lance, et aussi sur Noël. Noël, ensemble. Voilà. Alors, donc pour Retromag spécial Mega Drive est parti en impression. Donc ne vous inquiétez pas, c'est corrigé, ce machin, c'est parti en impression. On attend de le recevoir. Il en est de même pour les chroniques rétro, shoot'em up verticaux, qui sont elles aussi en impression. Et donc, elles vont arriver à peu près coup sur coup. Donc, on vous envoie ça dès qu'on les reçoit. Alors, je sais qu'il y en a qui se demandent, est-ce qu'on l'aura sous le sapin ou quoi que ce soit? Je préfère pas vous mentir et vous faire un faux espoir. Comptez pas dessus, même si on va tout faire pour que. Voilà. Après, comme je dis, ça reste des livres qui ne sont pas trop dans le délire Noël, hein. C'est pas des beaux livres, enfin c'est pas des beaux livres. Ce qu'on appelle beaux livres, c'est en fait, vous savez, les gros livres cartonnés avec des grandes pages et des. Voilà, ça s'appelle des beaux livres, c'est comme ça. C'est une catégorie, voilà, ça veut pas dire que nos livres sont moches, voilà, enfin j'espère pas. voilà. Donc voilà, donc certainement pas avant Noël. La sortie officielle de toute façon est annoncée au 1er janvier 2019, mais vous le recevrez avant, voilà. C'est juste histoire de donner une sortie, et surtout pour dire aussi que les contributeurs sur Ulule sont privilégiés par rapport aux autres, ce qui est tout à fait normal, puisque c'est des choses qu'on nous a remontées, voilà. Et donc, c'est vrai que pour l'instant, on marche comme ça, donc on a besoin de ça. Ensuite, deuxième chose, sur la boutique, j'aime pas faire mon bonimenteur comme ça. Sur la boutique, en fait, pour Noël, on vous a proposé des packs de Noël, en fait, avec des thématiques. Donc, on a Zelda, on a Pokémon, on a Mario et Castlevania, je crois, des packs en fait où vous trouverez un peu là, je vais pas dire l'intégralité, mais ce qu'on a fait sur le sujet, un tarif vraiment préférentiel pour les fêtes de Noël. Donc, si vous avez des cadeaux à faire, n'hésitez pas à en profiter et voilà, c'est jusqu'à la période de Noël et pour l'instant, c'est garanti d'être reçu avant la période. Voilà, donc ça, c'est sous le sapin, il n'y a pas de souci. Donc voilà, donc des tarifs préférentiels. D'ailleurs, à ce sujet, on a remis quelques Pokémon bleus. Effectivement, l'imprimeur nous a retrouvé un petit carton. Voilà, donc il y avait un carton qui a repopé, qui a ressurgi nulle part, c'est notre dernier carton. Et après, on n'aura plus du tout de Pokémon bleu. Donc, si vous le voulez, c'est le moment. Et vous voyez, on ne le met pas en enchère ou quoi que ce soit, on le met à prix normal. Donc, ne vous faites pas avoir par les enchères et ce genre de choses. Voilà. Pour ce qui est de l'écureuil noir, ah oui, peut-être petite dernière chose, on lance aussi une nouvelle collection qui s'appelle 30 plus 5 Video Games. Donc, une toute nouvelle collection où on trouvera 35 jeux sur une thématique bien précise. Alors là, pour aller en. Comment dire? Pour aller avec la chronique rétro sur les shoot'em up verticaux, là on a 30 plus 5 video games shoot'em up verticaux. Alors vous verrez que en fait les 30 plus 5 video games, c'est tout, c'est comment dire, c'est une espèce de complément aux chroniques rétro. Alors les chroniques rétro, on va essayer de faire l'historique du genre et sortir les titres marquants et pourquoi ils ont marqué l'histoire. Alors que on se permet dans 30 plus 5 video games de choisir, de faire une sélection perso des jeux préférés et pourquoi, et aussi peut-être des jeux pas préférés du tout et pourquoi. C'est pour ça qu'il y a 30 références plus 5 où on se donne un peu de lest pour choisir voilà, un petit côté éditorial, pas piquer des hannetons. Voilà, je vous le conseille. Donc pour l'instant, c'est en e-book, donc c'est disponible normalement sur la boutique et normalement sur Amazon Kindle. Ne vous inquiétez pas, il devrait y avoir une version papier qui devrait sortir, juste le temps qu'on voit comment marche Create Space, etc. Voilà. Donc, ça pour l'instant, c'est en cours. Pour ceux qui ont précommandé, effectivement, sur la campagne Ulule, il leur sera offert. Donc, ça, une fois que ce sera sur la boutique, etc., que tout marchera bien, eh bien, on vous le. Comment dire, on vous donnera un code pour aller le télécharger tout simplement sur la boutique. Voilà, il n'y a rien de plus simple. Voilà. Donc, faudra venir le chercher. Pour l'instant, il est que sur Kindle, Amazon. On va le mettre sur la boutique. Comme c'est du dématérialisé, ça prend un peu de temps pour comprendre, etc. Il y a des tests à faire.
etc. N'hésitez pas à nous dire si vous aimez ce système de e-book qui est capable d'être imprimé. Voilà, on essaye des choses, on essaye de se diversifier. Voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails, je ferai peut-être une vidéo sur le sujet, mais pour l'instant, ce sont des news. Des news et rien que des news. Alors, voilà ce qu'on pouvait dire pour les news de novembre-décembre. Vous voyez que je ne parle pas trop de l'avenir parce que il est incertain, l'avenir. L'avenir est incertain et je pense que on va pas noyer tout ce qu'il y aurait à dire dans une vidéo de news. Vous êtes là pour les news, pour savoir où en sont vos projets arrivent. Et je vous dis de bonnes fêtes et je vous dis au revoir et à la prochaine fois, tout simplement. N'hésitez pas à aller sur le site de l'Écureuil Noir, mettre des pouces en l'air, des abonnements, des machins. Faites ce qu'il y a à faire, c'est Noël après tout. Je vous remercie, je vous dis donc à très bientôt. Bye.